Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale chef. Alors nous-mêmes ici, c'est depuis une des chefs, nous comprenons, ça veut dire son monde qui a dirigé, nous qui a pas l'impression. Dans ce sens-là, je dis à moi que seul chef là. Mais de l'autre chef qu'il a, c'est des chefs qui vraiment fait fierté. Nous, c'est des monde qui représentaient la culture haïtienne là, à travers la nourriture et qui fait très bon manger international tout aux États-Unis. Il s'agit de chef Neyma Bellancourt et chef James Lubin. Pour qui ça m'a invité aujourd'hui hein? D'abord parce que je pensais que tu as pour petit manger. Moi, je parais à deux, mais vide. So, mon petit gens très chagrin. Mais l'autre raison que tu as fait m'inviter, c'est parce que nous pourrons gagner Taste of Haiti, 3e édition, qui pourra le faire là très bientôt. Et chef Sayo pourra le participer, bien entendu, avec un paquet d'autres chefs haïtiens dans Taste of Haiti. Mesdames et messieurs, je suis confortablement là, Kay, nous, et puis nous avons tourné venir nous un moment pour nous poser pile question par chef. Yo. Jean moi été annoncé, nous, mesdames et messieurs, invités nous aujourd'hui, c'est deux chefs haïtiens qui pourraient participer dans Taste of Haiti, 3e édition. Alors, nous avons d'abord Neyma Bellancourt, que l'année dernière, nous étions sur le même channel, dans le même salon, avec Mickey Mix. Bonsoir, Neyma. Bonsoir, Elisabeth. Et nous avons pour la première fois avec nous le chef James Lubin. Bonsoir, chef. Bonsoir, Elisabeth. Il faut dire bonsoir, chef, tout. Oh, bonsoir. Votre qualité, chef. Je m'excuse. Ok, il faut les pouvoir pour nous tous haïtiens. Il s'est excusé, nous avons un problème. Alors, il faut me dire, nous sommes très déçus, je pense que nous avons manger pour moi. Bon. Bon, c'est une table jouée, un petit bail pour me goûter, ou bien, ou me café chaud, puis gentil. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Oui. Alors, merci. On va attendre l'année prochaine pour nous capables de petit manger, goûter, manger nous. C'est pas sérieux. D'accord. On n'a pas interviewé quand même, mais si me posez une question d'une, on connaissait parce que nous quittons grand goût. Mais, on va venir nous joindre dans Taste of Haiti. Oui, mais il faut me décomparer avant. On va voir, c'est quoi ça fait. Allez, bon, on va préciser moi avec nous. C'est une blague, mesdames et messieurs. Alors, monsieur, t'es voté quand même, t'as mangé. Oui. Alors, d'abord, Neyma, parlez-moi de vous-même. Ben, mon petit présentation de qui est-ce qu'on y est, comment commencer dans l'affaire chef manger. Bon, moi, j'étais dans l'école de droit, d'abord, et puis, moi, j'ai travaillé dans le magasin du vin, et j'ai décidé que. Oui, que. Dans l'école de droit, on tombe dans manger. Maintenant, manger. Donc, ça fait ma passion. Donc, moi, j'ai décidé de changer de domaine et puis faire maîtrise dans l'hôtellerie. Et puis, c'est comme ça que je tombe. Donc, faire manger, faire boisson, mode bain, ça y est. Et puis, moi, je fais partie de l'Alliance culinaire haïtienne. Et puis, nous décidons de monter Taste of Haiti. Ah, c'est nous-mêmes qui décidons de monter Taste of Haiti? Mm-hmm. Ça y est pas, non? Oui. Ah, OK. Regardez bien, ma babonne. Donc, nous décidons de monter il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de et ça. Et combien nous y est dans l'Alliance là? Bon, nous 6 vraiment dans l'Alliance culinaire là et puis nous gain membres. Donc à peu près 30, à peu près 30 membres. OK. Alors chef Lubin, parlez-moi de vous-même. Qui ont commencé, est-ce que tu es avocat ou bien tu es docteur et vous décidez d'aller dans... Non, in actuality, I'm a graduate of Florida International University, a hospitality major. Okay. I fell in love with food while I was in a commercial kitchen at school. Had a great passion for it and just continued to drive and learn a little bit more about food, different cultures. I took a class called International Cuisine, so my style is more progressive American, so it's all over the place with a twist of Caribbean. Alors, là nous fait, là nous sommes chefs en général, nous supposons faire toute cuisine ou bien il y a un qui est spécialisé dans un domaine. Alors, même si vous spécialisez, mais il faut apprendre à faire tout manger, non? I would agree you need to learn different cultures of food, but most chefs master a specific style. Whatever their flavor profile is what they really focus on. They may dabble into, I like to cook Italian food, I like to cook Asian food, I like to cook food from the Middle East, but primarily, I stick to one style, and that's more high-end, progressive American. Okay, ça veut dire. Tout anglais, ça. I mean, if you think progressive, ça veut dire, c'est une dernière là, une cuisine américaine qui a progressé. If you think about America itself, you have a conglomeration of cultures, and so there's a little bit of everything. Donc, son façon pour dire son cuisine internationale qu'on fait. D'accord. OK. Parce que je pense que manger américain, c'est like soul food ou bien burger. That's southern, and southern like style. That's a culture itself, exactly. Southern style cooking.
So from bien comprendre, donc ou même dans l'ordre du progressive American cuisine, it's like you do apple pie. Okay, no, that's it. Ou fait manger chinois, ou fait manger indien, ou fait manger américain, tout bagaille. A little bit of everything, correct. Mais est-ce que mon majorité de manger américain dans ça qu'on fait? Ça veut dire que manger vraiment sous terre, bon steak, bah, comme ça. I mean, what is American culture when it comes to food? T'as pensé que c'est cheeseburger, hot dogs, that's an apple ideology. Pie, that's not mashed potato, rice pudding. Là, nous dit, mais qui ça qui représente vraiment? Si vous allez dans l'arrière-pays, là, on demande qui ça mounio manger. Donc, nous même en Haïti, ils dit manger de base, nous, c'est légumes, griots, du riz maïmoulin. Mais là, on parle d'Américains. Qui ça vous dit? Ça me dit là, oui ou non? Oui. Yes, it's okay. The perception, you're right. Yes, I'm doing. But I'm here to educate on another level of what American cuisine can be. Can you answer my question? Tell me, what is it? Ma'am, you want to chime in? It's your cuisine, I'll let you handle it. Okay. No, I mean, when I worked in the restaurant, we learned different cuisines, so Asia. So I can't specifically say, well, I'm an Asian chef, because that would be true. Mais qui ça principalement qu'on fait, si qu'on met American progressive cuisine, so majoritairement qui ça que nous rejoignent dans cuisine, en plus. Great food. Of course. Okay. Bon, bien là, ne pas me décoller, vous devez me rappeler là. Alright. Et toi, nous changer, n'a pas tout les autres, Neima. Donc. Ou même cuisine ou c'est un bagage qui une cuisine qui varie international aussi ou bien une spécialité. Bon, nous surtout spécialisé en cuisine haïtienne mais à haut niveau, classe internationale. Donc expliquez-moi ça veut dire exactement. Donc si malheureusement le monde pense à manger haïtien ici, c'est griot, légumes, riz collé, banane pesée. Comme si sous dit au monde, homme c'est haïtien. Malheureusement. Non, parce que j'ai oublié tout l'autre bagaille qui est en Haïti. Mais, l'on a réfléchi. Si vous jouez sur, si on a calculé sur la majorité de monde dans le pays, c'est ça qui mange le base de tout le monde. Non, mais. Il y a l'autre, mais c'est ça qui base là. Non, mais, il faut songer tout. Non, mais. Parce que vous mangez pour moi, vous avez bien senti si vous mangez pour moi. Non, mais, il faut songer que. Après, au grand goût là. Yes. Bon, exemple. L'on a l'on fait ici, on fait haïtienne. On a toujours joué même manger. Ou besoin de griot, ou besoin du riz collé, ou besoin de macaroni gratiné. Ça, c'est assuré que ou besoin, oui, du jojo. C'est assuré que ou besoin quatre mets ça. Mais si on l'a fait en Haïti, c'est varié. Parce que vraiment en Haïti, leur dit. Oui, mais il y a pas ajouté. Oui, parce que griot, c'est vraiment un bail. Si on a fait un game night là, yo, que y a bien, c'est pas un bail que. Il y a font grand fête, que y a font mariage et puis que y a présenté griot, ça sont manger frita et on mange la rue pour nous aux États-Unis. Allez mariage malim jeune griot. I was about to say the same thing. I've got a pretty nice griot dish myself that I serve. I'm just saying. Non mais non mais c'est pas premier bagage que n'a pensé en Haïti pour mettre sous menu. N'a pas songé lambi. N'a pas songé lambi. N'a pas songé écrevisse. Vraiment, comme si poisson, écrevisse, mode bah, ça y est. Et puis, on va faire un petit griot pour le monde à prendre un cocktail. Mais ce n'est pas comme si plat principal. Donc, et puis, quand vous, l'autre jour, il y a un monde qui dit comme ça que beignet, ce n'est pas haïtien. Ça va, on a un, est-ce que son chef lié? Non, son haïtien. Non, c'est un haïtien qui grandit aux États-Unis, mais malheureusement, c'est seulement une partie de culture haïtienne qui a mangé que le connaît. Il pas connaît comme si. Puis, parce que son menu qu'on a fait pour 11 000, justement, et puis nous dit ah, mais pourquoi pour entrer pour ça, pour ne pas faire connaître, etc. Il dit ça connaît. Et puis il dit un dessert, nous allons faire un beignet avec une crème glacée. Et puis il dit non, mais beignet, c'est New Orleans. Je dis non, beignet, ça, c'est pas depuis. Décembre, 1er janvier arrivé jusqu'à carnaval, tout le monde a mangé beignet. Et il va connaître. Donc, mais ça, c'est faute de famille, monde, ça, oui, c'est faute de parents, parce que parents, tu as supposé montrer qui mange au fin de la. Donc, c'est quand le monde oublie que tu as ton macala lou avec crabe. Comme si tu rentres dans une marquette ici aux États-Unis, ou rentres dans
toute une allée qui est dédiée à manger et mets jamaïcains. Donc, ils varient eux-mêmes. En plus, le monde leur pense à manger jamaïcain, ils disent, OK, jerk chicken. Mais, jamaïcain a fait effort pour montrer au monde que il y a l'autre bagaille, il y a qui est saltfish, il y a foufou qui est tom-tom. Donc, on a besoin de pâte pour faire foufou. Donc, justement, c'est ça que nous avons essayé de faire dans manger haïtien. Rappeler le monde que nous mangeons pétarde, rappeler le monde que nous mangeons ramier, canard, poisson, toutes sortes de poissons. Tuna, plein thon. En Haïti, sur toute la côte nord. Ou à la badi, Cap-Haïtien, port de paix, il y a plein thon. Mais en pile monde, leur dit thon, leur dit tuna, ils même ils pensent sushi seulement. Yeah. Et en Haïti, nous mangeons ça. Donc, cuisine Paola, en fait, on prend tout plat haïtien et pas ça qui est traditionnel seulement pour capable présenter le bas public. Là. Bon, c'est pas que c'est pas traditionnel seulement, mais c'est par région. Donc, dans le sud, là, ils mangent un pile. Non, moi, donc, vous oui. Oui. C'est-à-dire qu'on cuisine par région ou dit, est-ce qu'on veut manger mon dans le sud ou on mange mon dans le nord? Non, comme si nous mélangeons un peu, comme si là, nous offrions mon menu, get tout. Là-dedans. Donc, on a besoin d'un pile fruits de mer, on a besoin d'un pile mais qui sortit de plateau central, miel et toutes choses comme ça. Donc, blé, miel, donc tout ça. Et puis, justement aussi, sous des sapins. Non. Vous comptez ça cabichon? Parce que vous ne pouvez pas faire Jérémy alors. Vous écartez mon Jérémy? C'est pas ça, non? Parce que nous avons comparé. Ah, ok, vous parlez. Donc, vous rattrapez, vous rattrapez. C'est bien, c'est bien. Alors, ou même vous faites ici ou bien vous faites en Haïti? Vous faites ici. Vous faites ici? Oui. Donc, c'est bien, vous comprenez, j'ai été maman, vous faites travailler bien. Maman, vous gagnez, oui. C'est à partir de là que vraiment nous découvrons cet haïtien. Alors, je ne sais pas si c'est moi-même qui pensais ça parce que je suis haïtien ou bien si c'est vrai, mais dans mon opinion, non. Même vraiment penser que cuisine haïtienne, c'est une plus bonne cuisine dans les Caraïbes. Là, je m'a goûté. Moi, j'ai jamaïcain, il est tout bon, oui. Mais comme si je ne trouvais pas noir plus épicé, c'est le plus bon. Est-ce que j'ai raison ou même j'ai tort? Aucune raison, parce que même moi, on dit épice, épice nous fait, puis bon, parce que l'autre épice dans l'autre Caribbean country. So for me, I think the épice that the Haitians make has a lot more flavor because of the blends and spices and just the soul that's put into it. Yes. You know, the love that's put into it. It's just different. Yeah. It is. Moi, j'ai goûté ma joie. Me too. I like my food too. So you eat your own food? Absolutely. Wow. Absolutely. I wouldn't serve it to you if I didn't like it myself. Maman, ça sent belle bagarre, belle passion. Est-ce que parfois ça fait mal ou bien on plaque parce que tellement mettre en pile la bouche? No, I like to share. I like to share. You like to share? Yeah, because I want people to feel the passion. When you taste my food, you're going to feel the love that I put into it, the passion that I put behind it, and the time and skill and effort that was put forth. You definitely taste that, you see it, you smell it, you feel it. So nous faire pendant combien de temps ou même, c'est-à-dire que manger, on fait ça depuis combien d'années? I've been cooking since I was a kid, but professionally, I want to say about 14 years. Oh, ok. So vraiment fort là-dedans. Mais est-ce que nous travaillons, alors, je vais poser toutes les questions, après pour la première, nous travaillons dans un restaurant, dans un hôtel, ou bien nous travaillons sur commande? Comment nous I got a lot of my professional training from the Tides Hotel. It's on South Beach, 1220 Ocean Drive. The reason why my menu is so eclectic is because it has two restaurants. It has an outside, more casual dining, which is called the Terrace, and then the inside is more fine dining, more upscale. So my menu is anything from everyday picnic items all the way up to your high-end food. Mais c'est vous-même qui créez le menu? D'accord, oui. Et c'est vous-même qui avez géré tout? Absolutely. Wow, vous aimez ça? Absolutely. Et vous-même, Neymar? C'est sur commande, c'est un service traiteur que nous offrons, donc nous avons fait... Tout ça, moun vle. Donc, si on moun vle, on commande pour n'importe quoi. Mais même si son manger américain, que nous faisons, nous toujours mettons épices haïtiennes là-dedans. Donc, manger nous toujours paraît différent alors, que l'autre. Bon. Yes. Il toujours paraît différent, comme si moun dit, oh, mais, quand manger den roti déjà, mais, this tastes different from my mom's roast turkey. Ah, oui, nous mettons des épices haïtiennes là-dedans, that's why. Est-ce qu'au niveau des prix, nous pas demander trop cher, nous donner le même prix avec l'autre monde en général? Oui, bon, ça dépend de qui ça m'a demandé. Donc, okay. C'est que si vous rentrez Houston's pour un steak, ou bien est-ce que vous rentrez dans Outback? Donc, il y a une différence de prix. Donc, ça dépend de qualité ou demandez. Donc, je fais prix basé sur qualité.
C'est ça, une quantité de monde sur oui. qui vient, etc. Eh bien, mesdames et messieurs, nous finissons faire connaissance avec chef là. Dans un moment, nous allons parler de Taste of Haiti, nous allons comprendre un peu mieux qui gens ça va le passer si nous pas branché l'année dernière et que nous n'avons pas d'informations sérieuses. On va tourner tout de suite. Je vais rappeler nos téléspectateurs qui ont invité nous aujourd'hui, c'est des chefs haïtiens qui prennent présenter Taste of Haiti en pile plat. Et c'est la troisième année de Taste of Haiti. Neyma prend plus d'informations sur ça. Neyma parle de qui Jean Taste of Haiti a fait année ça, qui bon, est-ce que faut payer, etc. Mais oui, donc c'est la troisième édition de Taste of Haiti qui a fait dans Moka Plaza, situé au 770 Northeast 125th Street à North Miami. Donc, raison pour laquelle nous choisissons North Miami, c'est la ville la plus peuplée d'Haïtiens en dehors d'Haïti. Mm-hmm. Donc, c'est là vraiment le siège de la diaspora haïtienne. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un côté que idéal. Entrée gratuite, mais payée pour la consommation. Il y a plusieurs vendeurs qui pourraient le faire. Coucou James, il pourrait le préparer des mets spéciales pour. Donc, il y a plusieurs restaurants, avant, plusieurs... Avant, continuer et qui sont pour le préparer, James. I have two different types of menus. Okay. We will have the traditional, what you expect to see, red beans and rice, tzikoule ak pois, jonjon, which is a mushroom rice, griyo. You'll have a choice of different proteins that go along with it. But then you're going to also get a chance to see the more eclectic, small bite size of me. So when I was younger, my mom used to make maimoulin avec zaboka poisson. Mm-hmm. So I took it to the 2000 era, and what I do is I make a fried polenta with codfish moli on it with an avocado wow. creme fraîche. Very nice. Ooh. That's just one. To name my a few. God, that's good. Okay. What pour moi? Et ma continue donc. Oui, donc il y a plusieurs restaurants, service traiteur et aussi plusieurs restaurants. Est-ce qu'on a une idée de quantité de restaurants pour qu'on puisse préparer l'estomac? Ah, préparer l'estomac, non. Ok, parce que il y a à peu près une quinzaine wow. en tout. Donc oui. Une quinzaine de restaurants haïtiens qui boivent là? Non, comme si mélangé entre restaurants, service traiteur, oui, service traiteur et puis aussi. Et moun kap vann boisson. Donc, en tout, je veux dire que nap 40 en tout. 40? 40 vendeurs. Parce que gen moun kap vann chocolat pays, gen moun ki pral vann café. Alors, moun ki pral vann un bagay, c'est manger la vie ou bien gen moun kap vann bon ti maillot, ti bijou? Non, gen moun kap vann ti maillot, ti bijou, tout bagay sa yo aussi. Et puis, ap gen Madafi Pierre ki pral qui va le performer, la sorti en France, qui va le performer et puis soit artiste haïtienne. Artiste haïtienne mais qui style musique lui un petit genre différent, c'est pas compas, c'est electro funk. That's good. Yeah. Good. Et nice. Puis pour clôturer, c'est Ecstasy compas qui va le clôturer et faut pas oublier tout que pour nous saluer sponsor yo, c'est le commissioner chairman Jean Monestime. Et puis, City of North Miami, grande compétition manger qui fait entre quatre chefs. James pourra participer comme un chef qui pourra le présenter. C'est une surprise. Il y a un panier avec des ingrédients et puis chaque chef pour faire une présentation pour des juges. Et puis, merci c'est madame Nadège Fleurimont, a pu un juge. Et nous avons plusieurs juges. Nous avons juge des chefs haïtiens et des chefs qui pas haïtiens. Qui pourra le juger. Nadège Fleurimont, son chef? Son chef haïtienne, oui. Okay. Et puis, il y a un chef Amadeus. Je ne vais pas changer tout nos okay. chefs. Et puis, tout c'est Madame Gougous qui a apporté partie ça dans le festival. Ok, donc oui. compétition pour le fait. James va participer là-dedans avec toi, l'autre chef. Avec oui. toi, l'autre chef. Et je vais le baser sur rapidité, sur originalité, c'est ou bien sur goût. 45 minutes. Pour baser sur goût, originalité, présentation du plat, tout ça. Et puis 15 minutes, donc il y a 45 minutes pour préparer et mettre manger en 4 plats pour chef yo. Et puis chef yo a 15 minutes pour juger. Donc en bas, dans mon cas, la possible pour nous faire manger? Oui. Wow. Mesdames et messieurs, on va retourner avec plus d'informations dans un moment. Mesdames et messieurs, je vais rappeler encore une fois qu'à l'occasion de la troisième édition de Taste of Haiti qui prend le fête le 9 mai 2015 wow.
voilà. De 3h à 9h PM. Vous êtes tous invités. Eh bien, nous gagnons nous-mêmes dans WhatsApp Haïtien deux chefs haïtiens, chef Neyma Bélancourt, que vous connaissez déjà si vous êtes un fidèle branché de cette émission, avec chef James Lubin, qui lui-même pourra participer dans le concours, il pourra le faire dans Taste of Haiti. Alors, on a aimé retourner sur le concours là encore, parce que je ne comprends pas qui jeune, on pourra le cuire manger en bas, dans le mi-temps Moka Plaza. Bon, chaque chef a gagné deux fours à gaz, deux petits fours à gaz, et puis il a gagné un panier d'ingrédients. Mais il n'y a pas aucune idée jusqu'à ce que vous dites ouvrir le panier, il n'y a pas de qui ça qui la donne. Mais donc, est-ce que chaque chef a le même ingrédient? Tout chef a le même ingrédient. Oh, son roi le fait même genre avec show la télévision. Oui. Côté que il y a des ingrédients pour nous dire dégagez nous faire un bail. Dégagez nous faire un bail, oui. Oh, that's nice. The Haitian version? The Haitian version. I love it. Oh, il faut m'en couper juste devant. Et après ça, nous ne pouvons pas goûter, non? C'est juste. Chef. Je juge seulement. Ça fait reste manger. Pas de reste. Pas de reste. Juge va goûter tout manger. Oui. Ah non, c'est pas sérieux, c'est lui de juge qui prend ça. Bon, ben ça c'est très intéressant. Alors, nous parler de Kijan Festival de Walfet, si m'a fait une récapitulation, m'a capable dire que nous pral gagner à peu près 40 vendeurs, ça cap vendre maillot, ça cap vendre dessert, ça cap vendre boisson, pral gagner en pile crémasse me supposé. Ça cap vendre manger. Mais au niveau de entertainment, on dit que nous pourrions avoir un groupe musical. Nous avons deux groupes musicaux, mais animation musicale pendant toute la journée, c'est DJ Nicky Mix qui a fait ça pour nous. Donc, chaque fois que nous avons un groupe sur scène, c'est DJ Nicky Mix qui va remplir l'ambiance pour nous. Ah, ok, ok. Oui. Et puis tout, nous avons un peu d'amusement pour Timounio Anessa, c'est Little Haiti Cultural Center. Nous avons fait tant. Et puis, vous pouvez apprendre si vous jouez tambour, vous pouvez apprendre si vous peindre, mais surtout des sites touristiques haïtiens, des sites historiques, comme la citadelle et tout ça. Et puis, vous avez un petit train tout, vous avez fait tout au plaza sous petit train. Donc, on pile bail pour si vous avez un bounce house pour si vous tout ça. Donc, parce que c'est un événement que nous faisons pour la famille, donc tout le monde est invité à mener si vous avec vous. Côté pour Timounio Chita, année ça nous avons addition dans Taste of Haiti. Si nous avons participé à deux éditions auparavant, nous avons gagné chaises, mais malheureusement, pas gagné suffisamment de tables pour Timounio Chita pour y consommer. Année ça a gagné table pour Chita consommer avec ombrelle. Donc, a gagné tout le monde qui a venu parler pour nous être toute journée en net. Ok, ok, ok. Donc, combien de monde nous pensez qu'on va venir ou bien combien de monde nous capable de prendre? Première année, nous avons gagné à peu près 3500. Mm-hmm. Année dernière, il était monté environ 4500. Année ça, nous espérons 6000 personnes. OK. Et nous gagnons tout sécurité pour 6000 personnes dedans? Nous gagnons sécurité. La police a plat. Bon, pas vraiment gain boisson alcoolisée qui peut circuler sur plaza. Donc ça évite. Ah bon, donc pas vraiment ça là. Gain mais moun yo pas ka consommer sous plaza, donc parce que nous voulons éviter justement que moun yo vienne sous. Parce que c'est un événement pour la famille, yeah. Donc ou pas vle moun sous. Maintenant on va. It's the safest place to be. It's right next to the police department. Oui. Alors, on t'a souhaité c'est pas police moi dans télévision semaine ça yo. Non. T'as souhaité c'est l'autre police. Mm-hmm. Alors, au niveau de boisson, yo, moun capable acheter pour la caillou. Oui. Monsieur, on moun ouvre une bouteille crémassée, yo ka oui. Problème. Oui, yo ka ba problème. Ok. Alors, nous pral rappeler le yo, c'est à partir de 3h de l'après-midi, le 9 mai, mm-hmm. à Moka Plaza. Moka Plaza. Et de 3h jusqu'à 9h. De 3h jusqu'à 9h du soir, à 770 Northeast 125. Street. Alors, il faut marcher avec un pile, comment tu as dit ça, petit cash? Marcher avec cash. Vendeur a accepté carte de crédit aussi, mais cash plus vite, plus rapide. Oui, c'est sûr. Parce que si pour passer en carte de crédit, qu'on y a même poussière, pour t'en reçu, ou tu as fait 3 transactions cash déjà. Okay. Donc,
Et puis tout le temps, ça, sans manger dans le système au grand, ou à peu près. Non, ça va pas. Qui est caché pour pas manger ou bien aller. De tout manger, d'accord. Alors, il y a un monde qui t'a intéressé à regarder la compétition seulement. À qui le monde ça vient? Parce que ce n'est pas tout le monde qui gagne de 3h à 9h pour y aller marchant dedans. La compétition a commencé à 6h15. Ok. 6h15 du soir. Comme ça, pas fait trop chaud pour le chef qui prend le cuisiner, parce que il prend le devant. On flamme du feu, donc pas fait trop chaud, mais il y a tout, soleil toujours, donc tout le monde a vu qui ça a passé. Donc, Alliance haïtienne culinaire, comment te dit exactement? Alliance culinaire haïtienne. OK. Comment, quel avantage nous tirer de l'événement ça? C'est-à-dire, vendeur, acheter boutique, on emmène nous. Mm-hmm. Donc, nous faisons comme ça. Comme ça, c'est une levée de fonds. Mm-hmm. C'est un levé de fonds pour scholarship pour étudiants qui allaient à l'école d'hôtellerie en Haïti. Donc, c'est ça. Really? Donc, c'est ça le but de Taste of Haiti. Ah, pas de compte ça. Mm-hmm. Bon, c'est un bail très important. C'est jusqu'à la fin de ça. Donc, nous allons aider l'autre étudiant en Haïti. Oui. Mais nous n'avons pas rien pour nous-mêmes pour nous faire fonctionner. Bon, mais ça c'est seulement le minimum, juste pour fonctionner, pour faire un roulement de mois en mois. Nous n'avons pas encore. Café, oui. Okay, okay. Donc, c'est vraiment un levé de fonds parce que là, nous-mêmes, nous avons grandi. Profession, ça n'a pas vraiment une profession que parents t'ont encouragé nous là-dedans. C'est ça. Donc, nous-mêmes, nous voulons encadrer les jeunes, nous voulons porter support et tout ça que nous apprenons, nous voulons montrer ça nous apprend. Est-ce que nous gagnons le support financier du gouvernement haïtien pour un événement pareil, côté que nous avons présenté la culture haïtienne aux États-Unis, ministère du tourisme, etc. Est-ce que nous jouons un petit peu dans même? Bon, nous espérons jouer plus. Nous rejoignons le support du consulat haïtien qui est basé à Miami. Donc, consulat a supporté nous. Nous avons demandé plus de support, justement. Je m'a profité là, pendant que je suis écran, pour demander plus de support du gouvernement haïtien. On parle nous de sponsorisation qu'on a rejoint dans le gouvernement haïtien, mais est-ce que le secteur privé a ici tout, qui doit sponsoriser l'événement ça? Oui, nous avons Mme Gougous qui sponsorise nous avons Cola Couronne qui sponsorise nous avons Ding Telecom qui sponsorise nous, mais ça sont des événements uniques dans la communauté. C'est un événement gratuit. Nous espérons rejoindre 6000 personnes. Rentrer à Nessa. Donc, c'est vraiment une occasion pour le secteur privé pour faire promotion de business. À partir de combien d'argent on est capable de sponsoriser Christophe Haley? À partir de 1 500 $. Non, that's good. Parce que nous connaissons que ce n'est pas tout le monde qui a fait le même niveau de sponsorisation. Donc, nous voulons créer un. En façon pour, si c'est un petit cas capable, nous dire, bon, bras ouverts, venez, vous joindre à nous. Ah, pour 1 500, qui ça mon abjeune? L'abjeune en bourse? L'abjeune en bourse, l'abjeune en pile promotion, parce que nous lançons 15 000 flyers. Mm-hmm. Et puis aussi, chaque fois qu'on a la radio ou bien la télévision, nous toujours faire mention des sponsors. Donc, radio, télévision, flyer et sur Internet, nous avons sponsor nous, c'est Greater Miami Beach Conventions and Visitors Bureau. Donc, nous donc il y a voyé événement à 150 000 personnes. Donc, si logo sous flyer, il a atteint 150 000 personnes. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est trop tard si le monde voulait prendre un boost sans qu'il n'y ait un sponsor? Nous avons jusqu'au 30 avril. Parce que, faut nous songer que c'est si nous rentrons dans l'époque communion, il faut me placer comme une poutante. Donc, nous avons arrêté les mounions et puis nous avons dit que nous avons loué toute tente, que nous n'avons pas suffisamment de tente pour Taste of Haiti. Ok. Et boost, ça, dis-moi pour compter combien que le vendre? Alors, pas le vendre, combien que. Nous louons-les? Il coûtait 350 $. 350 $, oui. OK. Donc, jusqu'au 30 avril, jusqu'au 30 avril. Il y aurait possibilité pour louer une booth. Oui. Vraiment intéressant. Et si le monde voulait participer dans le concours chef, est-ce qu'il y a une date limite pour inscription?
Bon, nous pas gagne pile place parce que c'est 4 chefs seulement. Nous gagne un chef là avec nous. Nous gagne yon place seulement. Qui lit. You're thinking about joining them? Yeah, I'm joining you. What would you have made? Guyot. Of course. I had a feeling you'd say that. For my moulin blanche. I was looking for that Italian food you were talking about earlier. Ah, mon chef bon, il est italien. Okay. Believe me, j'ai vite mangé. You made some Italian food today, so I don't know. Ça, non, moins bon ça. D'accord. Ça, me fait me confiance. Je ferme. Deux, trois French food, nous dégagez nous. Et puis, je vais faire un biche, ça, chef, ça, va qu'on fait. Il va dire qu'on fait, non seulement. Chef, là, déjà, ouais. Non, pour de sortir. Il va dire qu'on fait. Déjà, ouais, chef, là, qu'on fait un biche. Je vais faire deux points sous lui dans ce sens. Je vais le montrer. Bon, j'ai confiance là. En tout cas, avec messieurs et dames, c'est vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Parce que chef haïtien est toujours extraordinaire. Beaucoup de gens mangent un chef haïtien qui n'est pas bon. Et donc, c'est vraiment toujours une grande satisfaction pour moi de rencontrer des chefs haïtiens qui ont représenté la culture nous. Bien belle ici. Je souhaite vraiment que le ministère du Tourisme, le gouvernement, bat nous l'argent parce que ça n'a pas fait. C'est une invitation pour nous découvrir Haïti sous une forme culinaire. Donc, nous méritons encouragement. Merci. Et puis, par contre, si nous gagnons un dernier message que nous avons fait, communautaire. Bon, nous avons joué chef James dans le booth Semage Catering. Et puis, nous avons joué moi, je ça, partout, mais nous avons gagné tantôt sous Sensory Delights Catering. Neymar, avant que je quitte ou aller, moi je connais que vous avez une spécialité dans le vin, tout ça fait partie de la profession, non? Tout chef a un vin, oui. Ah ouais? Et qui sont capables de nous ça? Est-ce que vin en prend à l'honneur, puisque nous n'avons pas boire d'alcool pendant un festival? Malheureusement, non, pas cette fois-ci, pas de vin à l'honneur, mais son bail que nous avons fait pour la prochaine édition, pour nous chercher un sponsor, justement, qui a fait kakou, un petit mini festival de vin en dans festival là pour que City of North Miami se sente plus confortable pour qu'il y ait alcool dans festival là. Comprends ça. Alors chef James Lubin, qui gens pour monde capable choisir un vin par rapport à manger en quelques mots, un haïtien qui regarde là et puis qui t'a remet connaît, li pral faire un poisson brossel. On l'autre qui pourra le faire, on vient de rouge, qui gens pour le monde connaît, qui gens pour choisir du vin. You may not know this, but the true sommelier is sitting right next to me. Out of respect, I'm going to allow her to answer that. Ooh, okay. Donc, quand on va avec un café, on va choisir du vin. Ou bien on fait une balance. Donc, c'est deux, on du vin qui semblait manger, qu'on va manger un. Ou bien on fait un contrebalance. Donc, quand on pour poisson gros sel, ça sont mais au table, ils font contrebalance. Donc, son, bailler vin blanc. Son, on, non, on fait avec un vin blanc, mais on pas fait avec un vin blanc qui sec. On fait avec un vin blanc qui fruité. Donc, il est apaisé par l'air et puis il est agrémenté. Donc, il est agrémenté et poisson. Pour une viande rouge, si c'est une viande rouge qui est fort comme un steak, on veut du vin qui est balancé. Donc, on veut du vin qui est aussi fort. Que Merlot. Que ou qu'à fond Merlot, Cabernet Sauvignon. Tout pour tout. Ou qu'à fond Sagrantino. Donc, il y a plusieurs. Mais si c'est un vin rouge léger, qu'un coup on canal. Donc, ou faire. Dans les villages. Justement. Eh bien, il y a des bâtiments mal de nous. Voilà. Ah, alors, qui dernier mot nous connaît pour les téléspectateurs? Bon, si nous invitons nous tous à venir le 9 mai à partir de 3 heures, parce que nous pensons vraiment que nous avons bénéficié de cette nourriture pour toute journée. Hein? Et puis, si nous voulons plus d'informations, nous pouvons aller sur le site tasteofhaitiusa.com. Et puis, nous pouvons rejoindre nous par téléphone au 954-394-8465 ou au 954-376-0470. Merci pour la participation nous dans le show aujourd'hui. C'était un plaisir pour me parler avec nous, pour m'apprendre un peu de bagaille tout. Et puis, nous avons un test of healing. Absolument. Sans faute, mesdames et messieurs, Pingan Bala. À bientôt.